Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astuce de la continuité pour préparation au concours de la médecine, l'INSA, etc. Donc, premier rappel, théorème de valeur intermédiaire. Le théorème de valeur intermédiaire que tu as fait on brille la continuité. F continue sur AB. Si f de a fois f de b inférieur strictement à 0, alors il existe c appartient à ab ouvert, car il est inférieur strictement à 0, tel que f de c est égal à 0. Il a quand la monotonie, qu'est-ce qu'on l'unicité. Il a quand f continue strictement croissante ou bien strictement décroissante, c'est unique. Donc, on dit chaque fois l'application, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, application. On prend soit f, défini de 0 à 1 dans R, qui est chaque une fonction continue. Continue. Tel que f de 0 est égal à f de 1, montrer qu'il existe c appartient à l'intervalle 0, 1, 2, tel que f de c est égal à f de c plus 1, 2. OK? Donc, comment on va faire pour démontrer ça? Première chose, on a dit que l'existence. Croff théorème des valeurs intermédiaires qu'elles atteignent à l'existence. Ou bien, c'est le prime que tu croffes. Ou bien, théorème d'accroissement fini. Toujours un des trois théorèmes qui sont connus flatter. Donc, maintenant, il y a des applications théorème drôle, théorème d'accroissement fini. Inch'Allah, je vais vous faire des exercices d'application finaux. D'ailleurs, on pose j'ai le x est égal à f de x moins f de x plus 1 2. On a g de 0 est égal à f de 0 moins f de 1 demi, où g de 1 demi est égal à combien? C'est f de 1 demi moins f de 1. Or, f de 1, d'après l'hypothèse, f de 1 est égal à f de 0. Cette quantité-là est égale à combien? C'est f de 1 demi moins f de 0. Est égal à exactement quoi? C'est moins f de 0 moins un facteur de f de 0 moins f de 1 demi. Qui est égal à exactement moins g de 0. Donc f de 1 demi et g de 0 sont deux signes opposés. Donc il est quantité positive. G de 0 est négatif ou l'inverse. Donc automatiquement, si elle est positive, elle sera négative ou bien l'inverse. Donc le produit interne est inférieur strictement à 0. Donc, G de 1,5 fois G de 0 est inférieur strictement à 0 car ils sont deux signes opposés. Automatiquement, d'après théorème des valeurs intermédiaires, il existe C appartient à 0, 1 demi, tel que G de C est égal à 0. Automatiquement, F de C est égal à F de C plus 1 demi. Donc, l'astuce ici, c'est d'opposer et de utiliser bien, théorème des valeurs intermédiaires, ou quand l'on ce sont deux signes opposés. Après, on passe une autre théorème. On a un théorème, je vais vous théorème. Ok? Si f est continu en p, et la limite lorsque x tend vers A
de g de x est égal à b, alors la limite lorsque x tend vers a de f de g de x est égal à automatiquement, c'est f de la limite lorsque x tend vers a de g, f est continu en b, g de x qui est égal à f de b. On a charité f qu'on continue avec la limite lorsque x tend vers a de g de x. Ou la limite a dit, bien qu'elle est continue, ou la limite a dit que ça veut b. Automatiquement, la limite de f de g de x, c'est f de la limite qui est égal à f de b. Attention, un théorème qui est très fli concours. Ce qu'on connaît à Kena, ou déjà vu, a dit fli cours flowback. Après, on passe à une application. On va donner une application. On va donner f de x. Défini par cosinus x sur x moins pi sur 2, si x est différent de pi sur 2, est égal à moins 1, si x est égal à pi sur 2. Donc la question ici, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de arc tangente x. Donc, comment on va faire pour déterminer cette limite-là? Première chose, on remarque que la limite lorsque x tend vers l'infini de la fonction g de x définie par arc tangente de x est égal à pi sur 2. À des résultats de cours, on va faire cours. Donc, là, il y a la fonction arc tangente. On va faire l'arc tangente. C'est une application définie de R dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, qui est à chaque x associé arc tangente x. Ou à la fonction arc tangente, c'est la fonction réciproque de tangente, ou la fonction tangente, qui compte la restriction sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ok? Ou la limite lorsque x tend vers l'infini de arc tangente de x est égal à pi sur 2. La fonction arc tangente, elle est impaire, car tangente, elle est impaire sur l'intervalle moins pi sur 2, sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2. Ou la dérivée de l'arc tangente, هذه واحد الرابير بصاد بريم سي اكزاكتومون 1 سور 1 بلس اكس اكس او كار الناس اللي ما قراتش لارج تانجونت باغ اكزومبل كون بي سي اس في تي دونك اوكي دونك اون باس على ريزوليسيون دو اكزرسيس دا بروميير شوز اون لا ليميت لوس كو اكس تان فير لانفيني دو ارك تانجونت دو اكس تيغال ا بي سور 2 خصنا نبينو بلي ان لا فونكسيون اف دو اكس اي كونتيني اون بي سور 2 اون لا la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de f de x, x différent de pi sur 2, c'est exactement quoi? C'est la limite lorsque x tend vers pi sur 2, x différent de pi sur 2, bien à droite ou bien à gauche, donc de cosinus x, moins 0 c'est moins cosinus pi sur 2, sur x moins pi sur 2, on remarque l'une de ce temps de variation, donc c'est automatiquement, c'est la limite lorsque x tend vers le c'est exactement, c'est cos prime de pi sur 2. Cos prime, c'est moins sinus pi sur 2, qui est égal à exactement moins a, qui est égal à f de pi sur 2. Automatiquement, la fonction, elle est continue en pi sur 2. Donc, on peut utiliser théorème. Donc, automatiquement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de arc tangente x est égal à exactement, c'est f de la limite lorsque x tend vers l'infini de arc tangente x, qui est égal à exactement f de pi sur 2, est égal à exactement moins 1. Après, on passe à un autre théorème et des applications. Théorème, c'est la continuité séquentielle. Quand les épreuves, les concours, etc. Même les concours, les profs de mathématiques, etc. Donc, la continuité séquentielle, on va dire, c'est la continuité, f est continue en a, donc a appartient à r, si et seulement si, pour tout de suite, un converge vers A, c'est-à-dire I1 tend vers A, la limite de I1 tend vers A,
équivalent implique que f de in tend vers f de a. Si et seulement si, pour tout de suite tend vers a, on a f de in tend vers f de a. Donc f est continu en a. C'est ça la continuité séquentielle. Après, on passe un exercice. Donc je peux effacer ça. Exercice d'application, donc. Soit f de x défini par exactement 1 sur x moins la partie entière de 1 sur x si x différent de 0 est égal à, par exemple, c'est exactement 0 si x est égal à 0. Donc la question ici, f est-il continu en 0? Donc ici, pour démontrer est-ce que la fonction est continue en 0, on prend une suite quelconque qui tend vers 0. Il faut montrer que cette suite-là, f de in, tend vers f de 0. Si oui, donc il est continu, sinon elle n'est pas continue. Par exemple ici, on prend par exemple la suite. Soit un défini par exemple, 1 sur n plus 2. On a la limite lorsque n tend vers l'infini de un est égal à 0. Je trouve f de un, wesh, tend vers 0. Donc f de un est égal à exactement quoi? C'est 1 sur, c'est n plus 1, moins la partie entière de quoi? De n plus 1, qui est égal à exactement, c'est 0. Donc f de un tend vers f de 0. C'est bien. On chauffe une autre suite. Et derrière la suite, qu'est-ce qu'il y a? Vérifiez. On chauffe une autre suite, quelle que soit la suite. Donc, on chauffe Vn est égal à exactement 1 sur n plus 1 sur, par exemple, 5. À de la suite, on dit. On a f de Vn. Vn tend vers 0. Mais f de Vn est égal à exactement quoi? C'est n plus 1 sur 5. Moins la partie entière de quoi? De n plus 1 sur 5, qui est égal à exactement. Quelle est la partie entière de n plus 1 sur 5? C'est n plus 1 sur 5, moins n, moins la partie entière de 1 sur 5, qui est égal à exactement 0. C'est exactement, c'est 1 sur 5. Il reste 1 sur 5. Donc, f de vn tend vers 1 sur 5, qui est différent. Donc, f de vn est égal à exactement 1 sur 5, qui ne tend pas vers f de 0 qui est égal à 0. Donc, par contraposé, donc, f n'est pas continu en 0. Donc, c'est ça la réponse. Merci de votre attention. Après, Inch'Allah, on va chercher des autres astuces. On va nous entrer dans les matrices, les sphophages, ou théorème droit, théorème d'accroisement fini. Vous avez des choses, on va chercher, Inch'Allah, on va essayer de faire. Il a qu'à dire une vidéo ou la deux. Merci.